Chaque matin, le TER en provenance d'Amiens et en direction de Rouen s'arrête à Saint-Martin-du-Vivier. Cela permet aux habitants de la commune, mais aussi à ceux de Roncherolles et de Fontaine-sous-Préaux, de se rendre à leur travail. Mais tout cela va bientôt être de l'histoire ancienne, puisque le conseil régional a décidé de supprimer cet arrêt. C'est inacceptable en fait, ça va à l'encontre de ce qui est sur le site de la région, de prendre les transports, le TER, les transports en commun, et pour faciliter l'accès au travail. Cette décision, ils l'ont apprise au mois de décembre. Un collectif s'est immédiatement créé pour la contester, car sans train, leur quotidien s'annonce nettement plus galère. Soit je prends la voiture pour monter Bois-Guillaume, et après je prends les bus, ou alors jusqu'à Darnétal, il faudra prendre le TER. Sauf qu'à chaque fois, ça va être 20 minutes de bouchon, plus d'une demi-heure de bus. Ça va nous rallonger le temps à une heure de trajet, alors que là, on n'a que 10 minutes. Deux raisons majeures ont été données par la région pour justifier la fin de cette desserte. La première, c'est que les voyageurs qui empruntent ce train sont très peu nombreux. La seconde, c'est que cet arrêt empêche de fluidifier le trafic. Les arguments avancés, notamment sur le ralentissement du train par rapport à son trajet global, me paraissent bien légers. Il ralentit un bon moment à l'arrivée sur Rouen, donc si ça arrête ici une minute de plus, je ne pense pas que ça va changer la face du monde. On nous parle de développement durable, de transport, de mobilité. On incite les citoyens à changer leurs habitudes et aujourd'hui, on prend une décision à contre-courant. La suppression de l'arrêt devrait intervenir entre juin et décembre. D'ici là, les usagers continuent de se mobiliser. Une pétition a déjà recueilli 1304 signatures.